Georges Pernoud, vous êtes le commandant de la goélette Thalassa. Quelle idée vous faites-vous de l'aventure ? Moi, je crois que l'aventure, c'est... Enfin, moi, je la vois pas du tout comme ça, l'aventure. Pour moi, l'aventure, c'est quelque chose de personnel et d'intérieur. Bon, si vous avez la capacité d'être un peu à l'écoute, si vous avez la capacité d'écouter un petit peu les autres, de les regarder, d'essayer de vivre un peu avec eux, vous pouvez vivre une aventure. Mais je pense que le mot a été très, très employé. Galvaudé. Je dirais pas galvaudé, mais un peu, on a un peu fait maigrir son ampleur. Moi, je crois que c'est quand même quelque chose d'abord d'intérieur et de personnel. Je pense que l'aventure, on la lit d'abord dans les livres. Parce que dans le livre, c'est vous qui faites le décor. Et c'est l'auteur qui vous fait l'histoire. Alors, dans ce petit reportage, vous n'avez pas rencontré Nicolas Hulot. Tout cela parce qu'il est très loin en ce moment. Ushuaïa, c'est un peu votre environnement. Je ne le pense pas, moi, mais enfin... Non, c'est pas du tout les mêmes optiques. Nicolas, on se connaît depuis longtemps. Je crois qu'il fait quand même des émissions qui sont très belles et très, très bien ciblées. Mais c'est pas du tout la même optique. Disons que Nicolas essaie de faire des choses spectaculaires. Je crois qu'il a mis d'abord en avant ce côté-là et tous les réalisateurs qui travaillent avec lui le savent bien. Nous, c'est un petit peu différent. D'abord, nos émissions sont fabriquées entièrement par des équipes journalistiques qui vont plutôt aller à la rencontre des gens, essayer de travailler un petit peu autour des personnages. Avouez quand même, Georges Pernoud, que vous avez le monopole de la mer. On pourrait dire, même si c'est dangereux, le monopole. Et si d'ailleurs on touche à ce monopole, vous bondissez. Mais non, ce sont les Anglais qui ont le monopole de la mer, pas non, nous. À la télévision. Bon, à la télévision, bon, c'est vrai, on a démarré... Oui, mais on dit ça aujourd'hui, mais il y a 18 ans, on a démarré ce petit magazine tranquillement, qui s'appelait au départ un petit magazine de loisirs, et puis petit à petit, à force de rencontres, à force d'habitudes, bon, ben, on a réussi à le créer. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a jamais embauché des marins pour faire de la télévision. Nous, on a toujours embauché des journalistes pour s'intéresser à la mer, ce qui fait qu'eux-mêmes sont les premiers téléspectateurs maritimes. Mais les marins sont là aussi, parce bien que sûr, vous les avez bien tous. Sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas mélanger les métiers. Nous ne sommes pas des marins. Vous avez analysé les vraies raisons du succès de Thalassa? Oh ben parce qu'on est les meilleurs, ça c'est évident. En dehors de cela, parce que vous êtes les meilleurs. Non. Au début, c'était difficile. Hein. Oui, non, je crois que c'est parce que la voile open, ce qu'on appelle la voile open, les grandes aventures maritimes sont nées en France à partir de 64 avec Tabarly. Nous, on est arrivés en 76 et c'était les débuts, c'était toute cette famille, Loïc Kéradec, tous ces gens-là qui ont fait démarrer la voile open, qui était d'abord une voile spectacle, c'est-à-dire en général un homme seul contre l'océan. C'est ce qui a fait démarrer la voile en France, mais à cette époque-là, la voile était considérée non pas comme un sport, mais comme une aventure humaine. Mais depuis 89, vous êtes à 20h40, on peut même dire aujourd'hui 20h50, puisque ouais. Ce sont les nouveaux horaires du début de la soirée. Ça n'était pas un pari gagné dès le départ, hein. Il fallait le gagner. Non, ça je crois pas que c'est... D'abord, quand j'ai créé Thalassa, je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps. C'était pour moi une récréation, un plaisir, parce qu'il se trouve que j'ai fait pas mal de voiles, mais c'est tout, je ne pensais pas que ça durerait autant. Alors le fait d'être passé à 20h50, ça a un petit inconvénient quand même. En ce sens pour nous. C'est qu'on devient de plus en plus sélectif et de plus en plus dur entre nous-mêmes, enfin toute l'équipe de rédaction. C'est vrai qu'on devient de plus en plus dur au niveau du travail et qu'on veut que les choses soient de plus en plus finies. Alors évidemment, ça demande encore plus de travail. L'autre émission, qui vient d'ailleurs immédiatement après Thalassa le vendredi, c'est Faut pas rêver. Oui. Il a encore une émission qui a fait à peu près toutes les cases de la grille d'une chaîne de télévision, en particulier France 3. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette émission s'est installée. Elle s'est installée derrière Thalassa. Je ne pensais pas personnellement que c'était une bonne place. Parce que moi, je me disais, les téléspectateurs resteront peut-être pas deux heures dans le même style, puisque c'est quand même, c'est la même famille, c'est les mêmes équipes qui fabriquent ça. Tout cela vient de la qualité des reportages? Oui, je crois que c'est les gens qui... Vous savez, nous, on n'impose jamais un reportage. Nous, on estime que dans une équipe journalistique, où le journaliste a envie de faire un reportage, et l'envie, c'est déjà un bénéfice pour la réussite. Si quelqu'un n'a pas envie de faire un reportage, je crois qu'il ne faut pas l'y forcer. Alors, il pourrait peut-être y avoir un péril un jour, c'est que vous êtes entré dans une spécialité, et vous n'en sortez pas. Alors, vous avez envie, vraiment, pendant toute votre existence, de vous consacrer aux travaux de la mer? Moi, je ne sais pas. Bon, d'abord, avec Faut pas rêver, on a élargi la réflexion. Moi, je crois qu'en matière de télévision, c'est comme dans tous les métiers. Si demain, je m'emmerde, il faut que je fasse autre chose. Mais tant que je m'amuse, il faut continuer. Alors, bon vent. Merci.